Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un monde à l'envers, cette édition du 21 août 2019 qui se continue. Il est 6h05 heure du Québec, heureux de vous retrouver. Les habitudes alimentaires, hein, les traditions alimentaires sont de plus en plus euh, exposées parce qu'on est dans un monde ouvert, on a un monde de communication. Il n'y a pas si longtemps, hein, on était ici, si on prend l'exemple du Québec. Je, moi, je remonte à, mes, à, à mon adolescence, à ma jeune enfance, qui est le début des années 70, <coughs> jusque, disons, au milieu des années 70, ou même la fin. C'était très, euh, très simple, très élémentaire, parce qu'on n'avait pas naturellement les réseaux sociaux. On commençait à voyager, on commençait à découvrir les plaisirs de voyager. C'était une minorité de gens qui prenaient l'avion pour aller dans les îles ou même s'aventurer en Europe encore beaucoup moins et en Afrique encore beaucoup, beaucoup moins. Donc on était au balbutiement de ce monde moderne. Les légumes qu'on mangeait, c'était vraiment euh, les légumes qui poussaient chez nous. Tu n'avais pas de ces magasins de fruits et légumes qui t'amènent euh, les jardins exotiques chez vous. T'avais pas ces types de viande, ces coupes de viande, ces recettes euh, euh, fancy, hein? de pavé de saumon cuit sur une planche de bois glacée à l'érable, euh, servi avec une mousse de radis noir, arrosée d'un filet d'huile de truffe. <laughs> Imaginez, j'avais raconté ça à ma mère. mère Fais-nous donc cette recette-là. Je peux vous dire une chose, j'aurais eu une belle petite plaque. <laughs> Donc, imaginez, on remonte pas si longtemps dans le temps, on était vraiment dans un autre monde. Et tu retrouvais les légumes que tu retrouves dans ton potager hein? des carottes, des navets, des rabioles, du brocoli, de la laitue, des trucs qui poussent chez vous, c'est ça que tu mangeais. Le monde en plus grande santé. Moi, je ne me rappelle pas vraiment d'épidémie de, de cancer ou d'autres maladies comme on les voit aujourd'hui. Toute cette industrialisation de la consommation, de l'agriculture et de la cuisine aussi, hein, toute cette ouverture au monde, ça nous a amené beaucoup de problèmes environnementaux. L'empreinte qu'on veut nous faire avaler hein, par, via le, des, 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 des déclarations comme le prince le prince Andrew a oh, moi, ma femme et moi, nous avons décidé d'avoir seulement deux enfants parce que on ne voulait pas laisser une empreinte, une empreinte environnementale avec un troisième. Euh, non, tu as eu deux enfants parce que tu n'en voulais pas trois. C'est complètement absurde. La mondialisation a beaucoup, beaucoup, laisse beaucoup plus d'empreintes que quoi que ce soit. Toute cette ouverture des frontières, regardez les magasins qui ont poussé, les entreprises qui ont poussé à cause de cette industrie, de cette mondialisation-là. Et la quantité, la quantité de, de force, la quantité d'énergie qui est nécessaire, d'abord à la production de masse, puis après ça, à l'importation ou à l'exportation de tous ces fruits et légumes pour les amener chez nous, pour qu'on se retrouve avec des magasins pleins. Il n'y a pas un magasin au Québec qui a pas ces fruits et ces légumes exotiques qui ne poussent pas ici. C'est complètement aberrant. C'est inutile dans la vie non plus. C'est pas. ça ne sert absolument à rien sauf à enrichir la classe dirigeante. C'est hallucinant. Donc, on est vraiment dans des habitudes qui ont complètement, complètement été transformées. Donc, ça, c'est un aspect. Les habitudes alimentaires, les traditions alimentaires aussi, Hein, qui sont perpétrés de famille en famille, de père en fils, de fille en mère, de famille en famille, de toutes les nationalités possibles et imaginables. C'est toujours des traditions qu'on transporte avec nous, hein, ce petit bagage-là, mais qui, des fois, lorsqu'on se met à se poser des questions, nous, juste une fond, nous remettent justement en question toutes ces habitudes qu'on nous a de différentes nationalités, hein, qui se sont euh, transmises sur, dans les nouvelles générations, on se pose des questions sur la moralité de ces euh, traditions alimentaires-là. Si on prend l'Asie, par exemple, avec la fameuse soupe d'aileron, hein? ben maintenant, d'être aussi nombreux et d'avoir des gens aussi affamés de profit qui n'ont aucune, aucune moralité, ben ça nous amène à l'extinction, peut-être, de plusieurs requins pour cette soupe aux ailerons que vous et moi avons jamais mangé dans nos vies, puis on s'en est sorti, on est encore vivants, puis on n'a jamais mangé de soupe à l'aileron. Donc, il y a plein de traditions qui devraient être mises et remises en question. Quand nos moralisateurs en chef viennent nous, hein, nous donner des leçons de morale sur ceci et cela, ils pourraient se permettre de donner des leçons de morale aussi sur des, certaines traditions alimentaires qui ont qui n'ont plus leur place. Le monde est là pour changer. Mais non, on ne veut pas. On ne veut pas. Alors que c'est en train de mener à l'extinction de plusieurs espèces de requins. On n'en parle pas, c'est tabou. Mais ben, si vous et moi, on est capable de survivre sans manger de la soupe d'ailes de requin, peut-être que par conscience, on pourrait arrêter, chez des populations asiatiques, de le faire aussi. Et c'est comme ça dans plein d'autres traditions. Je pense que nos traditions devraient être remises en question aussi. Les traditions, c'est fait pour être changées. Les comportements, c'est fait pour être changés. On va aller voir ça. Plusieurs espèces de requins sont menacées d'extinction en raison de l'importance ou de l'important commerce international d'ailerons. Une proposition visant à le contrôler sera débattue lors de la réunion de la Convention de Washington qui aura lieu à Genève, a déclaré à Sputnik Maria Vorostova, membre du Fonds international pour la protection des animaux. Un déclin considérable des populations de plusieurs espèces de requins a été enregistré par des chercheurs, a affirmé Sputnik, le membre du Fonds international de la protex, pour la protection des animaux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va... Pêcher de façon euh, monstrueuse ces requins-là, que pour leurs ailes, qu'on qu découpe et on laisse tomber le requin, on remet le requin dans l'océan sans ses ailerons, et le requin pique du nez jusqu'au fond de l'océan et, et, et meurt noyé. C'est vraiment atroce. C'est pourquoi les pays membres de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ont l'intention d'inclure les espèces en voie d'extinction sur la liste contrôlant le commerce international de la faune sauvage dans l'immédiat. La réunion des pays membres de la Convention de Washington se tient à Genève du 17 au 28 août, donc c'est maintenant le nombre des requins mako, des euh, grandes raies guitares et des rhinidés a diminué de 90 à 95 Cela est provoqué par le commerce d'ailerons qui continue. Les poissons sont pêchés, ensuite ils se font couper des ailerons et sont rejetés à la mer. Les ailerons sont séchés ensuite, séchés ensuite ils sont utilisés pour la soupe. Le volume de pêche est gigantesque. C'est pourquoi les scientifiques ont préparé une proposition pour inscrire ces espèces de requins dans l'annexe 2 de la fameuse CITES, ce qui implique un contrôle sur le commerce des espèces. Le vote en faveur de cette proposition aura lieu la semaine prochaine. J'ai hâte de voir sur quoi on va aboutir. Mais la Convention de Washington a été signée le 3 mars 60, 1973 pour contrôler le commerce international des espèces rares de flore et de faune. Plus de 5600 espèces d'animaux et plus de 30 000 espèces de plantes sont sous la protection de cet, cet accord intergouvernemental, pas rassurant quand c'est un accord intergouvernemental, quand on connaît la nature de l'existence de nos gouvernements. Donc, j'ai hâte de voir sur quoi ça va déboucher, mais entre vous et moi, ça va sûrement déboucher sur rien, parce que ça fait longtemps, 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 longtemps qu'on en parle. On va aller voir ce compteur. Il y a un compteur qui existe. Vous allez vraiment être renversé. <coughs> Euh... je ne sais pas si je vais vous le trouver l'autre jour je l'avais non, je ne l'ai pas essayé Déjà, moi un petit instant c'est vraiment intéressant Je d'enlever si ce compteur-là. On dirait... Combien de requins sont tués à la minute Il peut être difficile d'imaginer ce nombre, même d'imaginer 11 417, le nombre de requins estimés à être tués toutes les heures. 11 417. Donc... C'est euh, peut-être que je vais l'avoir ici. Non, je n'ai pas le... 100 millions de requins tués chaque année selon une étude. 100 millions de requins tués chaque année. C'est vraiment euh, wow. Donc plus de mille 000 tués chaque heure. Waouh. Enfin, je vous reviens. Commencez pas à manger de la soupe aux ailerons, puis je ne vous donnerai pas de recette non plus. <laughs>